babeti na litama ya gauche na pesi ya droite babeti likofie bitumbelongwe ya libanda ekotelingana ndapesu yondoloba nazongisa te en plus oimposi nga silence dimakasi ozala molobeli na nga. C'est une erreur. Lambert Mende est dans le gouvernement parce que le parti créé par Lambert Mende est dans le gouvernement. J'ai donné le nom de quelqu'un que l'autorité morale de notre famille politique, Joseph Kabila, a avalisé, qu'il a présenté au président de la République, qu'il a accepté. Et donc nous sommes tout à fait reconnaissants au président Félix Antoine Tshisekedi d'avoir accepté la proposition que nous avons faite. Et donc vous êtes tout à fait en tort lorsque vous dites que nous ne sommes pas dans son gouvernement. Nous y sommes. C'est nous qui occupons même la fonction au ministère des droits humains. Et donc nous sommes dans ce gouvernement. Et si vous me posez une question, je défendrai ce gouvernement parce que nous en faisons partie. C'est une question d'individu. C'est un problème de vision. C'est un problème de programme. Vous direz encore que cela n'émane pas de la population congolaise ou encore quinoise si je vous dis que cette population-là pense que la coalition FCC-CACH n'est qu'à mort-née ou encore ne va aboutir à rien du tout parce que c'est deux idéologies qui ne s'entendent pas. Tiens, je ne croyais pas, je ne savais pas cela. Je croyais que l'UDPS, que le président Tshisekedi pilote, est un parti social-démocrate et que comme nous, le PPRD, que le président Kabila pilote, est un parti social-démocrate. Alors en quoi est-ce que ces deux mouvements qui sont sociaux-démocrates ne peuvent pas se marier? Je ne sais pas où ils sont allés ramasser cela. La contradiction, elle est où? L'une a été dans l'opposition pendant plusieurs années. Ça peut arriver qu'il y ait une incompatibilité d'humeur. Les électeurs nous ont rappelé à nos devoirs en disant que l'essentiel, c'est le pays. Et ils nous ont donné à l'un la majorité présidentielle et à l'autre, Kabila, la majorité parlementaire. C'est une façon pour le peuple de se montrer plus intelligent que peut-être nous l'avons été les uns et les autres. Le CCU est né d'une volonté de se démarquer de tous ces regroupements qui portaient le nom du MNCL. Est-ce que vous avez senti le besoin d'être vous aussi patron ou encore président d'un parti politique? Vous pouvez toujours assez vous mettre ensemble parce que vous prenez la même idéologie. Ce n'est pas la volonté qui nous a manqué depuis la conférence nationale souveraine. Nous avons trouvé ici 8 à 9 regroupements qui s'appelaient MNC Lumumba. C'était assez cacophonique et ça ne ressemblait plus à rien. Et donc il fallait à un moment donné se décider et choisir si on se met au service d'un label, une étiquette, ou si on se met au service d'un idéal, une idéologie. Et nous avons tant qu'à faire décidé de nous démarquer de la lutte pour une étiquette, pour nous concentrer dans l'idéologie. La Convention des Congolaises Unies, qui est l'ancien MNC Lumumba originel, est un parti lumumbiste, comme d'autres partis lumumbistes. Et lorsque nous sommes allés au Parlement, nous nous sommes retrouvés bien seuls parmi les MNC Lumumba qui existaient au Parlement. Et à côté de nous, comme lumumbistes, il y avait quoi? Le parti lumumbiste unifié du défunt patriarche Gizenga, avec lequel nous nous sommes retrouvés pour constituer le groupe parlementaire PALU, CCU et Alliés. Donc vous voyez qu'on n'est jamais loin les uns des autres. Acteur politique congolais assidu, quel serait le conseil que vous proposerez à l'homme politique congolais dans l'ensemble? Je pourrais peut-être sans me donner le rôle d'un donneur de leçons, puisque j'aborde les donneurs des leçons. Avec autant de ceux qui ne sont pas concernés par les leçons qu'ils veulent donner, mais je pourrais inviter les acteurs politiques congolais à plus de constance. Lorsqu'on s'engage dans une lutte, c'est aussi bien lorsque tout va bien que lorsque ça ne va pas bien. C'est pour les hauts et pour les bas. C'est pour le meilleur et pour le pire. Je considère pour moi l'action politique comme un mariage avec un corpus d'idées. Lorsque vous vous mariez avec ce corpus d'idées, il faut accepter
que ces idées-là, lorsqu'elles sont partagées par la grande majorité de la population, qu'elles vous portent au pouvoir, mais lorsque la grande majorité ne les partage pas, qu'elles vous renvoient dans l'opposition. Mais restez quand même accroché à l'idéal que vous vous êtes donné si vous croyez que c'est l'idéal qui peut résoudre les problèmes pour lesquels vous vous êtes engagé en politique. Je ne trouve pas ça souvent dans le comportement de l'un ou l'autre homme politique qui se comporte souvent en girouette. Selon que tel groupe est au pouvoir, on essaye de ramer avec ceux qui sont au pouvoir et on devient l'opposant de ceux que l'on a acclamés hier. Tout cela. Vous faites allusion à quelqu'un, monsieur Lambert? Je ne fais allusion à personne, c'est un principe, c'est un constat qui est un peu général. Voilà, et avant de passer à la toute dernière rubrique, honorable, ça vous est arrivé de penser à arrêter avec la politique? Non, à aucun moment. Pourquoi? Au Parlement, j'ai fait de la politique comme je en faisais au gouvernement. En 2006, j'ai été envoyé au Parlement par mes électeurs. Le président Kabila m'a appelé au gouvernement. En 2011, mes électeurs m'ont renvoyé au Parlement. Le président Kabila m'a repris en politique, disons à l'exécutif. Et en 2018, mes électeurs m'ont encore renvoyé au Parlement. Donc, quel est le mur que vous faites entre le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif? L'essentiel, c'est qu'on soit au service d'un corpus d'idées. Des idées souverainistes, des idées d'émancipation pour un peuple qui en a bien besoin, s'il faut en croire le surplace que nous faisons depuis les 60 ans d'indépendance que la Belgique nous a accordé et que souvent certains Belges nous dénient l'exercice. Voilà, la suite, vous en doutez très bien, place à la question. Cette rubrique, la toute dernière, c'est la question. Elle nous vient de vous, l'honorable Lambert Mende, notre invité de ce numéro de salon privé. Va tout justement répondre à votre question, madame, messieurs. Honorable, vous avez été sujet ou encore victime d'une arrestation assez musclée dernièrement. Vous avez été entendu dans une affaire de supposé trafic de diamants. Est-ce que ce caillou était un diamant? En vérité. Je dois dire d'abord que personne ne m'a entendu. Je pense que le malentendu a été levé dans les minutes qui ont suivi cette interpellation plus ou moins cavalière qui a été faite chez moi un dimanche par des policiers et des agents de la police militaire qui croupissent maintenant dans les geôles de la prison militaire de Ndolo dans l'attente de leur jugement puisque l'affaire a été fixée enfin par haute cour militaire de Kinshasa parce que des militaires ont été utilisés à cette fin. C'était pas un diamant, ça n'était pas une pierre ordinaire, c'était un quartz d'après le centre d'évaluation des substances minéralogiques précieuses que mes électeurs qui souhaitaient réaliser ce qu'ils pensaient être un diamant avait fait appel à mon entregent pour pouvoir essayer de le réaliser. Je me suis mis à leur service comme doit le faire tout élu par rapport à ses électeurs. Ce n'était pas un péché, c'était bien mon droit. Et ce n'est même pas, ce n'aurait pas été même la propriété de l'État, même si cela avait été un diamant. Mais il se fait que malheureusement pour eux, ce n'était pas un diamant. Et donc voilà comment les choses se sont passées. Mais après, vous êtes. Comment avez-vous vécu cette situation en tant qu'élu? Est-ce que c'était un déshonneur pour vous? Non, le déshonneur, c'est plutôt ceux qui se sont laissés manipuler par des gens qui voulaient humilier un élu et qui sont aujourd'hui bien en difficulté d'expliquer le geste qu'ils ont posé, qui doivent s'en expliquer devant la justice parce qu'ils n'avaient pas le droit de faire cela. Le déshonneur, c'est ceux qui voudraient nier aux Congolais des droits qui sont reconnus par la loi congolaise. Lorsqu'un Congolais trouve une matière minéralogique comme celle-là, c'est une matière qui lui appartient en propre, à la condition de payer les taxes qu'il doit payer à l'État. Et donc, moi, je les ai
orienté dans le détail administratif des services de l'administration congolaise. Il n'y a aucune honte à cela pour que je puisse me sentir pour le moins du monde déshonoré. Bien au contraire, ils ont vu que j'étais un élu au service de ces électeurs qui s'est éventuellement affronté des agents du désordre comme ils l'ont été en cette circonstance-là et qui s'est allé jusqu'au bout. Parce qu'aujourd'hui, une procédure est engagée pour que ces gens-là puissent se rendre compte devant la justice du comportement illégal et irrégulier qui a été le leur. Voilà, madame, messieurs, nous sommes arrivés à la fin de votre émission Salon Privé. Nous espérons que l'image que vous avez voulu percevoir de l'honorable Lambert Mende vous a été servie. Et quant à l'émission Salon Privé, la suite au prochain numéro. Au revoir.